Emmanuel Macron, je l'ai peint en gilet jaune avec un œil tuméfié qui représente le stigma d'un tir de LBD 40. Quand on sait le nombre de personnes qui ont été victimes de violences policières durant les manifestations de gilets jaunes. C'est pas très loin, et puis comme ça on aura fait très loin. À travers la représentation, par exemple, de Marine Le Pen en musulmane, ça permet juste de poser un autre regard sur les musulmans. En fait, ce personnage-là, c'est pas la vraie Marine Le Pen, c'est une Marine Le Pen fictionnelle. Une Marine Le Pen qui a eu une autre vie, qui a décidé de se convertir à l'islam, qui a découvert la foi et qui, du coup, a mis son travail d'avocate au service des réfugiés. C'était un moyen d'amener peut-être des gens justement à s'emparer du débat, à réfléchir, à remettre aussi en perspective quelles sont les propositions. On sait qu'en période justement d'élection, les candidats vont avoir tendance à lisser justement leurs propos et être moins dans l'agressivité.